Messieurs, je suis le Dupamba. J'espère que vous êtes toujours scotchés sur Tenue de Ville. Là, nous sommes toujours à la rencontre de ces leaders du quotidien. Mais là, nous sommes à Songolo. À Songolo, rencontrer un éminent artiste, écrivain, un intellectuel de renom, monsieur Armand Bouquetti. Donc, j'y vais. Je suis dans sa ruelle. Comme à l'accoutumée, nous allons rencontrer ceux qui vont nous expliquer ce qui se passe dans ce quartier, les délimitations. Parce qu'il y a des blocs, il y a des zones. Donc, une fois, l'histoire nous emmène. Suivez-nous. Comment allez-vous? C'est le Dupamba, Tenue de Ville. Donc, je suis venu à la rencontre de M. Bouquetti Armand, artiste, écrivain de son état. Donc, je suis venu le rencontrer. Waouh! Je vois quelqu'un de bien tiré là. L'homme. Oh, mais ça m'étonne. Pour un artiste écrivain, ouais. La partie 5 niveaux, la partie fashioniste est assez conséquente. Ah ben tu sais que on a l'habitude. Hein. Nous ouais. sommes des artistes et en tant qu'artiste, on touche à tout. Ouais, mais. Monsieur Bouquetti, oui. Je suis venu chez toi. Mm-hmm. Nous sommes à Songolo. Ouais. Et je vois une dame, une jolie dame. C'est mon épouse, Madame Bouquetti. Ah, ok, c'est un plaisir. Et là, tu as le petit Mbappé. Comme on dit, la star du quartier. Nice meet you. et bon, Betkele, Awa, na Songolo. Donc. Comme une amour beaucoup. Ok. Nous me coûtons Beno. Ni Beno, mais non, mais l'accent, quartier Beno, parce que c'est un peu de Zenza. Parce que nous sommes dans le quartier Songolo, commune à Mongopoku, en tant que Bantu Kotaka ou Tamatama, nous avons fait une visite guidée dans le quartier. C'est un plaisir. Donc, on va y aller. Il y a un vrai plaisir, il y a une rencontre à quartier. Mais tu es là. Attends, Mbappé, tu nous accompagnes? Hein, c'est bon? On y va, hein? Bon, on va vous faire visiter le quartier. Ok. Je vais te connaître. Merci. Allez. On prend les pas. Merci. Ok. Bon, là, nous sommes dans une portion de Songolo. Ouais. Il y a également un morceau. Hein? Moi, du Boké, il y a Pamba, il y a Songolo. Songolo, le quartier, il y a Néné. Ah, ça. Il y a Bandaka. La masse est Songolo. Côté de Boké, là, il y a Nani, abattoir. Abattoir. Ah, ok. L'abattoir, c'est l'abattoir, oui, je donc, vois à l'entrée, là. L'avenue Jacques Opango prolongée, qu'on appelle ça. Mm. De là, ça suivit la rivière Songolo jusqu'à sur la berge de l'océan Atlantique. Ce qu'on appelle la mer. Car ici, on n'a pas la mer. C'est l'océan Atlantique. Mais un coin où les gens. Mbisike Katuka, na Songolo, un coin comme ça, comme je ne sais pas, je ne comprends pas ça. Littoral, il y a Maza. Songolo, c'est le littoral de la mer, que l'on appelle nous la mer, sinon c'est l'océan Atlantique. Ah, d'accord. Et c'est jonché par des petits marchés, ah, des petits marchés de poissons. Et tout au fond, il y a même un village qu'on appelle le village des pêcheurs. Ah, ouais, bon. Le village des pêcheurs, c'est ce qui fait la frontière entre Songolo et la raffinerie.
en allant vers la présidence. Mais vous avez Songolo, c'est carrément, vous partez de la... En fait, ça c'est le découpage. Sinon, Songolo fait partie de deux arrondissements. Mais les gens ignorent cela. Il y a des bagarres Vunvu, il y a des bagarres Morompoko. Parce que il y a des Kaganapon V. Parce que de l'autre côté, c'est aussi Songolo. Mais là-bas, c'est Vunvu en fait. Mais c'est aussi Songolo. Quand vous avez, juste après la foire, okay, là où habite le préfet, c'est Songolo qu'on appelle ça. Mais la plus grande partie de Songolo part de l'abattoir. Donc le pont de l'abattoir jusqu'à après la station. Okay. X-Oil, la route des esclaves, ça passait par là. Vous voyez? Donc c'est des zones historiques qu'on peut faire, pour lesquelles on peut faire des patrimoines de l'UNESCO. Dit la Songolo, que ça va y arriver. Donc il y avait plein de sable là. Et là, c'est des enseignants qui venaient faire des champs. Une école, un champ. Tout en marchant. Donc quand ils faisaient. Vraiment, c'est très historique et c'est vraiment poignant. Hein. L'école s'appelle aujourd'hui l'école Makaya. Ah, là, il y a Mbappé qui nous a rejoint encore. Ah oui, ah, le fils, ouais. On peut y aller, le Mbappé-ruiste, je l'appelle. Là, c'était. Il y avait des jardins. Donc, quand les maîtres d'école primaire prenaient les élèves pour faire des jardins, et c'est comme ça qu'ils ont eu des parcelles ici. Donc, en bas, là, il y avait un vieux comme le grand photographe Moussa Bakani, photo Mouz, qui a paix à son âme, qui était en bas, là. Là, la parcelle à côté, c'est M. Makaya. Et vous avez même l'école qui s'appelle Makaya, parce que lui, c'était le directeur de l'école. Les enseignants qui venaient faire des jardins, une école, un champ. Okay. Ils venaient faire des jardins par ici. Au même moment... Ils prenaient des élèves qu'ils ont emmenés faire des jardins et après ils ont occupé des parcelles. Et pendant ce temps, devant là, tout ça, c'était la savonnerie où on fabriquait le savon. Donc quand ils occupent des parcelles, c'est quoi? C'est des parcelles gratuites finalement? Au départ, mais après ils ont versé quelque chose. Des dividendes, un truc. Okay. Sinon, au départ, tout ça, c'était la savonnerie. Là, on fabriquait les savons. Et derrière, il y avait des cocotiers. Et la rivière, la lagune, la petite lagune Songolo, se trouve derrière avant d'arriver chez Madame Cardorel. Donc tout ça c'était et quand même je suis arrivé ici, il y avait le vide à part la famille Apovo ici, il y avait Maman Adèle ici. Ah d'accord, c'est ici. Voilà. Oh, mais on peut rencontrer Maman Adèle. Elle m'a reçu dans le quartier. Bon. C'est que ça lient une surprise. Il y a beaucoup d'alliances, sans souci. Il y a beaucoup de quartier, donc c'est Maman Adèle. Ils ont rien dit Kouakou. Certainement que Baou, c'est des années 70. Oui, ni Baba m'a fait le quartier, là, il y a des années 60, c'est quoi? Moi, il y a un Baba dans le quartier, quoi, donc. Je le cuis, la cuisse italienne qui peut s'en beauté, parce qu'il y a un Baba dans le quartier, quoi. Ah, ok. Il y a un Baba. Dans le quartier, c'est ma maman, quoi. Ça, c'est un plaisir. Elle m'a reçu depuis plus de 16 ans que je suis dans le quartier. C'est ma mère. Ah, ok. Mais oui, peut-être qu'italien, je ne sais pas. C'est une beauté. Il y a une maman. Non, maman, elle a fait comme une surprise, il y a une qui est là-haut. Ah, d'accord. Oh, et maman, monsieur Armand, qui est parmi les leaders, Armand Bouquetti, qui est Vandaka Wamo, je pense que nous avons vu la gang qui est maman, comme il est là à mes zones. On dit, ah, maman, dès qu'il faut un salmon à témoignage. Donc, maintenant, maman, il y a un néné, un golo. Il y a un goudi, ni yina. Papa a mon ménage, mon maman Adèle. Question à tête, mon posé. Papa a mon kenani, n'a man toile yangé, n'a vis-à-vis, et n'a talis yangé. Papa a mon ikingé dans une zone, n'a jambo. Il y a papa a mon. Il y a que maman. Moi, n'a mon. Il y a que maman. Ah, ok. Quand je vais au boulot, je vais louta. Si je m'arrête, si je m'arrête, je m'arrête. Donc, moi, je suis là. Si je m'empêche, j'envoie madame. Je suis là.
Zambian Mosisaba. Papa Arma et okay. Sonzaya. Ah, ok. Mm. Merci, maman Adèle. Mais Mouzol Zaba, moi, périodicité. C'est-à-dire que moi, en tant que je suis venu dans le quartier, je suis venu à l'année. Quelle année? Le 23 septembre 2003. Ah, d'accord. Il y a Vanda Tete, Ikiawa. Est-ce que Bantu Vanda Tete? Ah, bah, il fait. Historique qui est levé. Vous avez un quartier, mais vous avez un goudron, un dalet, un iki. Ok, maman, tu vas dans la maison, mais tu as le passé. Surtout Maza, maman Maza. Diambou Yamaza, papa, tu as le passé. Diambou Yamaza, en 2003, il y a un tout cas, il y a un fandi. Depuis 2003-2004. 2004. Maske. Donc société il y a Mazaï OK. Mazaki parce que Maza. Donc maman Adèle, timing na kutalenge je vois, c'est vrai que le temps est passé mais c'était une belle dame. Vraiment je me suis même amouraché. Elle est plus que la prière. Oui oui. La prière c'est la maman. On va, maman Adèle, on va relier l'information. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas Moutke Béni Bambantou, mais on va chercher des solutions à ton quartier. Et je pense qu'on viendra mais aussi te revoir parce qu'on sent que la témoignage, et puis je pense que tu as, quand on prend de l'âge, il y a un problème de santé. Je pense qu'on reviendra pour gérer ce côté-là. Merci. Ok. Merci. Matoune. Notion à jeune, il y a même notion de ce qui est sens diagrapé. C'est tout le monde qui se fait appeler jeune. Et quand on est jeune, on n'a pas d'ambition. Alors qu'on est dans la jeunesse, pas très bonne ambition. Et quand on va évoluer, peut-être que dans l'histoire, il y a un quartier. Tu vois, tel que ce que je dis là, c'est de l'histoire. L'histoire, il y a un jeune qui est pour la quartier Vana Fassier. Quartier Vana Fassier. Voilà, donc c'est un peu ce côté de l'historicité. Qui est une notion empirique, qu'on dirait science. Ah ça. Mais le côté un peu de Lingala aussi, ça peut se faire. Il y a le Lingala n'a pas besoin de quin. Va muta qui dit ça. Ça, qui toque on a l'engi. Ma nanga na lobaka. Ma bengo viso longo viso kanga. C'est à dire qu'on dit la moto pour la moana naé. Historique. Historique certain. Donc, il y a une histoire de 16 ans, on a trouvé un peu de temps pour que les gens ne soient pas les gens. Ils ne sont 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 pas les gens. Évolution, Kassi. Il y a des zélos. Ils ne sont pas les gens. Il y a des goudrons. Les gens ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Donc, ma chef de bloc, ma chef de quartier, ah ouais, monsieur Lépé. Au staff Nangaï salon de coiffure. Ah d'accord. Il y a un staff ma petite Nanga bah, okay. Parce que non, on a le quoi la salon de coiffure y a donc. Staff ma petite Nanga la quartier. Ok. D'accord. Nga na moni moto moko awa. Okopé sanga. Alino Kizaza. Nga pire grand prêtre. Ouais. Donc papa Alino. Lisolo. Lisolo na biso ya makambu ya
ya minene masolo akati ya minene fort ye nanga a grandé anane a président nanga ce que voté député nga na motali bosse nanga voté député na quartier passé a tia kabiso à l'aise ezala na jatons kolata kozala bien à ses partisans na batutu na quartier. Moi, côté social, PL, moi, je pas que l'ami. Je ne suis pas toujours. Ce qui est lobby, c'est que les polémiques parce que ça vient. Mais, si tu as un témoignage, tu as un témoignage. Ok. Oui, le président, a dit quoi. A Kanaka secteur, tout. Tant que la Gisibino Bazon, il y a des gens. Là, maintenant, on va voir le chef du bloc, le chef du quartier. Ok. Il est représenté le Yalou quartier. Ok. On va le voir pour essayer d'échanger un peu. Savoir comment donner l'historique du quartier, okay. Peut-être les limites géographiques. Lui, alias, c'est monsieur Ledou Pamba, à Saraïmeshua, à Télé de Ville. Donc, il y a un autre nom, on appelle ça Salam, Bambote, Nengézalé, 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 tu vois que dans le quartier, tu es dans Mboka, sans que mon chef du village. Il y a un autre fond de la vie, non, Zéla. Il y a un fond de la vie, Zéla, et puis, Masoulou et Zalaka, Masoulou et Zalaka, vraiment, et Bélé. Là, mais papa, nous, on a une absence dans le quartier. À la simplicité, à aborder que parce que dans quatre quartiers, à côté de quoi il y a côté de l'ouano que mon tomoka a connu ma belle contre papa Armand à quartier. À un modèle, à un tranquille, à provoquer la terre, à un à ça la vie ne le capte plus à ça la vie à Bango, à tout bas honnête. Quartier, yo, comment on a les bousses qui sont gourdées. À ça. Quartier, comment on a les bousses qui carvatas. Carvatas. Comme un modèle. Tu as un terrain privé à Mondele Moko. Quartier y a plein de cocotiers. Il y a cocotiers qui sont noirs. Il y a savon. Il y a un quartier. Après le pango, il y a un deuxième mois. Il y a usine, il y a fabrication, il y a savon. Savon. Il y a un saponnerie. Il y a Mindele. La Mindele, il y a un compagnon Mindele. Bon, pas ça. Parce que quand tu es normalement, il y a un appartenir, il y a un terrain privé à Mindele. Il y a un peu de temps, Et à Dina Chef Maungu, un militaire retraité, avant d'aller à l'abattoir, Kuna, à côté de l'abattoir, il était là avec la retraité, il était là, 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 comment on appelle, topographe. Il était là, 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 et comme quelque part, arrêté. Parce que ce qu'on a dit, la dimension, le pango est dans le quartier, il est mis balé. C'est 800 mais, à 900 mètres carrés. Et même le pango, il y a un peu de constat et salami déjà. Il y a un côté en tant qu'étage. Il y a un goudron. Le pango est dans la dimension, mon côté, il y a un bisou, il y a un plein d'assurance. Ah, ok. Pour nous, on a un goût, on a tracé. Awa, nous avons. On a tracé en goût. Bango nyoso ba fumuto tunenge ba benga bango ko. Ba topographe kaka. Hein, il y avait que le blond qui était là. Non, le blond était parti. Ah, okay. Le Congo, non, le Congo en l'air, le Congo a vu une dépendance. Et comme il est à Ngwabi. L'air à Ngwabi. Parce que parti dans parti au bah le temps où l'air Ngwabi qui je crois que 2 mois avant que Ngwabi a couvert. Parce que en bas là chez moi, c'est en 76. L'histoire, ça fait près de 10 ans. Même tel le loyo, tel le maïté. Ma pompe est là, ma pompe. Ah ça? Mais dès que vous avez ma pompe, tant que vous voyez, vite que ce qui m'aille, vous bimez ou pas. Non, ma pompe est là, bima. Il faut que ma pompe est là. Ah ok, ok, excusez-moi. Non, quand tu es là, tu as des listes. Quand tu as des listes, tu as acheté ton blog, tu as madame Abunda, madame Abunda, tu as maman, moi c'est maman, ministre de la Santé, madame Mikolo. Parce que quand tu as un directeur, tu as dit que tu commander à gauche. Mais dernièrement, tu as dit que madame la directrice à SND a promis que
il faut pas attendre là parce que bah tu as mon aîné de l'autre côté qu'on a les a bouché. Mais non, tout qui est au niveau sécuritaire. Est-ce que ngai en tant que mon père, il faut un nga armant na okene kuna na minuit, na 22h. Est-ce que mota okanga na nzela te? Est-ce que moi na mke na 20h batindi que nous sommes moi li paguna? Moi bah côté sécurité ou lobini. Côté sécurité, ah voilà bien. Tu es quand même en sécurité. Tu es un bandit à mini mini. Tu ne vas pas être à Yali. Moi, je suis en boulot. Comme si tu es quand tu es un cosmopolite, tu es un bandit, tu es la mer. Tu es un la mer. Tu es la mer. Tu es la mer. Tu es un bandit aussi. Tu es un bandit. 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 À quoi de mais côté santé, ce qui t'en a moins urgence, moto à sali crise, tout qui m'a mangou wapi, l'hôpital, tout du problème, moi, la sali crise. Bon, qui m'a parce que l'hôpital, mon nez, moi, moussika. Je vais faire la publicité à quoi le banayo. Bon, ce que vous voulez, l'hôpital, le banjil. Ok. Quel bon, sur la voiture, à quelques 2 minutes, 3 minutes. Okay. Et là, à côté, vers le garage, plutôt la chambre froide là, il y a aussi un centre, un centre là aussi. Ah. Mais nous ne sommes pas aussi loin de l'hôpital militaire. Impact. En fait, nous quand on est centre, le quartier, on a 5 minutes du centre-ville. On a 5 minutes. Du centre-ville. Nous ne sommes pas dépaysés. Le corps va quartier ce soir. Mais c'était vraiment la carrière. Parce que Songolo fait parfait frontière avec le centre 31 juillet. 31 juillet. C'est le centre-ville, le rond-point. Voilà. Parce que Songolo, de garçon, Songolo, disons, c'est Songolo pas loin d'ici. Songolo part jusqu'à Guenin. Donc Guenin et la poire. C'est pourquoi j'ai dit que Songolo est un abarrondissement du balai. Mvumvu, Namongo. Nous sommes sur l'avenue Jacques Opango prolongée par où passaient les esclaves quand on les emmenait à l'embarcadère de Luango pour être vendus ailleurs, dans d'autres cieux. Et c'est ça, c'est passé sur cette avenue-là. Et nous avons milité pour que cette avenue soit goudronnée. Avant que l'école y ait, on essaie l'école, c'était sous les cocotiers. Donc les cocotiers sont partis de là et se sont élargis jusqu'à vers là où je suis chez moi. Ok. Ouais. Ok. C'est et bon. On appelle l'école Mabaya parce que c'était la première école qu'on avait, la première édifice. Mais maintenant nous demandons ceci. Ok. On veut parler du grand terrain. Mais nous demandons qu'on nous mette un CG ici. Le CG par rapport à des gars qui quittent les autres contrées. Parce qu'il y a seulement un CG ici qui se trouve à l'arrondissement en bouteille raffinée. Vous voyez, il y a un monsieur de la vulcanisation poivre. Chaque matin, celui qui fait traverser les élèves. Il y a souvent des accidents par là. C'est vrai qu'il y a un passage clouté.
Mais les chauffeurs ne respectent pas ça. Si balin ça là-bas, gendarme couché. De part et d'autre pour ralentir la vitesse au niveau de l'IAE. Okay. Hein, il faut que ma pensée d'ailleurs parce que. Voilà. Et ou bien, Batoula, surveillant moi aussi à l'école, que traverser ma banawa. Parce que le monsieur qui est assis là, que traverser ma banawa, il fait sa déclaration devant. Donc il faut penser à tout ça pour essayer. On n'a pas besoin de donner beaucoup d'argent. Hein, mais ma fioti, ça va vous permettre que. Et à rendre vivable. L'insécurité que nous sommes en train de vous avez posé la question dernièrement tout à l'heure de l'insécurité. Est-ce que, moi je me rappelle à notre temps, excusez-moi parce que tout vous, ben ma jeune question, tout le monde tout. Ah non. Ah c'est trop vieux. Avant qu'il ait jeunesse, il y a eu d'abord vieillesse. Oui. Avant qu'il ait vieillesse. Et donc aujourd'hui. Vice versa. T'as l'école là. Là, à l'école, nous sommes à Pointe-Noire. Insécurité, quelle mingi. Parce que qui, moi aussi, ben bagatio, c'est trop colonial. Or, qu'est-ce que colonial? Le pan en est né. Si pas tout le monde, tu as enseignant, ah, on enseignant à Wanakato le pan. Il n'allait pas avoir des si les gens habitaient sur place. Sur place. Mais de toute façon. Comme ils viennent de faire en Vouvou. À l'école de Vouvou. Oui, comme en Vouvou. Ils viennent de. Notre salle, là, nous avons fréquenté à cette école-là. Mais vous avez vu comment tout le monde l'école, et nous va mettre. Ou comme à l'école de Tietier. Bon, à ce temps-là, aujourd'hui, c'est devenu aussi la merde. Mais quand on a quatre à l'école, si on prend une partie à l'école, habitation, il y a personnel, enseignant. C'est aussi quelque chose. Leur présence aussi. Ça fait quelque chose. Les bandits ne pourront plus venir faire leur pagaille ici. Ils ne verront pas fumer leur chambre ici. Ils ne verront pas violer les femmes ici. Ils ne verront pas faire ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a au moins des gens. Allez-y, chef. Si vraiment il était question que je prenne la parole ce soir, regardez aussi une école comme celle-ci. Les enfants n'ont pas d'eau potable. Il serait souhaitable qu'on ait une fontaine publique pour les enfants, afin que les enfants ne soient plus capables de traverser les avenues pour se faire écraser par des véhicules. Non. Et essayons de faire des efforts parce que on est tous passés par là. Aujourd'hui, c'est même l'occasion. Nous, en tant que responsables du quartier, nous vous présentons nos doléances. Les enfants sont malheureux. Si à notre époque, l'eau était gratuite, tu n'avais pas besoin d'aller acheter un sachet d'eau à cela. Et puis, on aura des solutions. Les toilettes de nos enfants, regardez. Vous ne pouvez pas arriver, puisqu'il n'y a pas d'eau. Mais il n'y a pas d'eau. On se croirait en prison parce qu'il n'y a pas d'eau. Ok, Matonde Mingi, Papa Armand, leader, na réception Nge, na maman Mounioso. Je pense qu'il y a un autre point de chute, il y a une continuité à ça. On va essayer d'aller de l'autre côté, parce qu'on a dit Songolo, surtout il y a des quartiers Néné. Okay. C'est un grand quartier Songolo. Donc, déjà, on vous a dit d'ici jusque là-bas, ça peut faire 3 km ou 4 km. Ou 4. Donc okay. On va aller du côté des Dalettes pour voir un peu comment les gens se retrouvent là-bas. Donc on va essayer de chuter. Ok, donc merci. La continuité y est, toujours soutenue de ville. Mesdames et messieurs, soyez accrochés, scotchés.